Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. On était le 28 octobre 2020 lorsque le président de la République a pris un arrêté. Arrêté dans lequel il a désigné. Merci. Il a désigné, il a formé un comité chargé de préparer un projet de constitution. Mais des conditions ont été posées. Dans l'arrêté même, certaines conditions étaient posées et les membres du comité ont été obligés d'observer ces observations. La première est que le projet de constitution doit être d'abord préparé suivant les desiderata du peuple haïtien. Deuxième condition, il ne doit pas y avoir d'exclusion, mais plutôt l'inclusion, de telle sorte que nous étions liés par des conditions que nous étions obligés de respecter. Et ces conditions ont été effectivement respectées. Si vous allez lire le projet que nous avons préparé et que nous allons remettre au Premier ministre, vous verrez que tous les Haïtiens ont leur part dans la Constitution. Nous n'avons abandonné personne. Depuis les diasporas, les femmes, surtout, nous avons pris la précaution de ne laisser personne dans l'ombre. La deuxième condition qu'on avait posée, c'est de soumettre ce projet au public pour présenter toutes les doléances, toutes les critiques qu'il juge nécessaires, ce qui a été fait. Et pourtant, comme vous avez pu constater vous-même, nous avons été l'objet de toutes sortes de menaces. Nous avons été l'objet de toutes sortes de propos, des propos malhonnêtes. Mais nous avons pris notre courage à deux bras et le travail est actuellement terminé. Malheureusement, le président Jovenel n'a pas eu le temps d'assister à la fin du projet et nous autres, fidèles aux instructions que nous avions reçues, nous avons estimé que nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes ce travail qui n'est pas notre travail, mais un travail fait pour le peuple haïtien. Nous avons jugé bon de remettre aujourd'hui le travail, le projet de constitution que nous avons été choisis pour préparer au peuple haïtien, au Premier ministre actuel, pour les suites nécessaires. Nous demandons pour nous observer une minute de recueillement dans notre ancien président de la République, là, qui est porteur dossier ça que nous allons présenter là. Merci beaucoup. Pour commencer, remercier Premier ministre
Dr. Ariel Henry, secrétaire général Palais National, agronome Lionel Valbrun. Deux mouns sa yo kwen nan continuité l'État. Et le fait que yo te accepté prolonger mandat nous, qu'on la continue collaboration avec nous, ça a montré que ça c'est yo porteur dossier ça. Yo connaît comment li important pour nous finaliser. Nous remercions tout ministre qui fait déplacement, qui vient la journée jodi, en secrétaire général, primature, tout le monde qui était collaboré avec nous, tout le monde qui était dans l'ancien gouvernement, que le TPM Jout, que le l'autre monde qui était là dans la situation, qui était accepté que 5 personnes aient porté au dossier ça. Donc, communauté internationale, là, la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, nous aidez-nous en pile. Nous toujours là pour nous. Nous disons un gros merci. Merci en pile parce que nous sommes coués dans le document ça, dans le projet ça. M'a dit comme ça que m'a présenté nous constitution hein, projet meni li fait dans deux langues français créole parce que langue qui lie tout haïtien c'est langue créole là. Ça veut dire que yon moun ki pa vle li français l'a li créole là. Et nous fait nous yon devoir pour nous capable associer tout moun ki gen expertise dans question créole pour ba nou yon document qui répond à des idées ta population. Un document que moun ki nan bien loin dans pays a ap konnen ki sak la donne parce que nous fait dans langue créole là et dans langue française. M'a dit nous avant de présenter document m'a rappelé nous que nous gagnons mandat. Comme moun ki habitué avec moi même toujours fait parce que nous même avocat nous toujours remet gen pièce à conviction. Pièce à conviction nous c'est deux bagailles. Le mandat qui nous a été donné par l'ancien président de la République, qui dit mais qui ça pour nous faire. Et puis nous gagnons ça que tu as fait déjà, qui aboutit à ça. Nous devons nous tous comprendre. Nous avons un seul pays qui est Haïti. Et me dit président Boniface, merci parce que tu as quitté. Moi-même comme seule femme, parler jour et jour. Je parle pour me dire, ça que ça nous souffrit dans ça et m'a tout ben nous un message. Ce n'est pas un discours m'a fait. Nous avons gagné dans le mandat ça, que le président de la République l'a ben nous. Pas rien qui dit pour nous écrire un projet. Il dit que pour nous préserver les acquis démocratiques. Ça veut dire acquis qui était là déjà. Nous avons renforcé, nous avons innové, mais nous n'avons pas retiré sa peuple là, gagné déjà que le gourmet pour lui. Nous avons gagné pour nous garantir solennellement les droits fondamentaux de la personne. C'est une raison qui fait que malgré effritement valeur non dans la société, malgré problème qui gagne, en bien peine de mort là, les retourner la peine de mort qui a aboli, les kembe jan lié en dans la constitution 87 là. La peine de mort est abolie en tout temps, en toutes circonstances. Parce que ça son acquis démocratique lié, nous pas tourner sur les. Renforcer les mécanismes de l'état de droit. Si vous pas gagne une séparation effective des trois pouvoirs, ou pas qu'à parler de l'état de droit. Dans le contrat social Jean-Jacques Rousseau, il dit il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Le gain abus de pouvoir, le gain exaction, eh bien, il faut que la justice capable de dire le mot qu'il faut. Eh bien, nous renforcer le système judiciaire là, avec l'indépendance du pouvoir judiciaire, avec la nomination des juges, qui tournait un chantage à chaque fois mandat un juge fini, il faut chercher un député, un sénateur, pour demander s'il vous plaît, ce qu'on a un ministre pour moi, pour madame Nanka renouveler. Nous avons jugé nécessaire de donner cette possibilité au CSPJ pour que le mandat juge commence à renouveler jusqu'à ce que vous ayez retraite. Néanmoins, s'il y a des exactions, des comportements qui laissent à désirer, CSPJ, à travers l'inspectorat judiciaire, apprend les mesures qu'il faut. Parce que leur pas indépendant judiciaire, même monde qui parle de l'église connaît la justice élève une nation. C'est justice qui pour permettre que monde senti yo à vivre dans un environnement adéquat. N'a pas fonti souffrir pour moi parce que faut que moi dit tout ça m'gain pour me dire, m'pas plomb, faut yo nous te gain pour nous rationaliser et préciser la nature du régime politique. Il y a ce qu'on appelle l'univers collectif haïtien. Moi même comme on travaille social, me connais ça bien. Ou pas capable pour une loi pour porter pour venir mettre le nom pays son bagage culture pays. Nous tous qui là, il y a un pile monde qui contente, on monde font mauvais rêve du président. Ou gain délégué, ou gain député, ou gain sénateur, président. Donc dans
dans l'univers collectif haïtien, le régime présidentiel est ancré, est là. Nous, tout simplement, là, nous changeons le régime, non, nous mettons des balises pour permettre qu'un président pas venir qui n'est pas responsable de ça. Parce que le ballon mandat, c'est souveraineté pays. Hein? Et c'est co-dépositaire de la souveraineté, les trois pouvoirs. Donc, il faut qu'il soit capable de répondre de ça au bal pour le faire, comme garant de stabilité et de bon fonctionnement institution. Yo. Nous avons fait ça. Clarifier et rééquilibrer les pouvoirs de l'État dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Ce n'est pas normal pour yon moun a payer taxes parce que justement, il n'est pas été dans la République de Port-au-Prince et que le PAC a joué un service. Donc, il faut que la collectivité territoriale joue un budget république. Là. Et nous faisons ça en un projet constitutionnel. Il faut que l'administration publique là, est composée du bureau central et des collectivités territoriales. On a fait ça parce qu'il fallait pour nous rééquilibrer le pouvoir. Nous gagnons pour nous réaffirmer et consolider le caractère démocratique de la République d'Haïti. C'est ça qui fait démocratie. N'a pas songé démocratie, m'a prêté un mot pour me dire, c'est tant qu'on réchaud du feu qui gagne trois pieds. Youn la donne cette dignité. Et nous-mêmes, en dans le comité, nous sommes victimes en pile de façon que nous avons traité nous. Dignité au monde, son bagage, quel que soit son gain au monde, il faut qu'il traite. C'est inhérent à la personne, la dignité. Deuxième bagage, c'est la liberté. On a le droit de choisir. Et il faut respecter le choix de la personne. Donc c'est la dignité, la liberté et l'égalité. L'égalité, c'est égalité pour moun, ni femme ni garçon participer dans tout ça qui a fait dans le pays, ni moun la ville, ni moun en province. Donc, ou pas qu'à construire un État démocratique, sous pas quoi dans ça. Les corollaires, c'est la non-discrimination et la tolérance, tout ça découlé de trois principes fondamentaux. Ça yo. Donc nous-mêmes, nous t'éveillons à ça. Et yon nan bagay nous fait en dans la constitution, en dans le projet, c'est que nous. Vini avec ça, le juge des libertés. Parce que ce n'est pas normal. La liberté est la règle. La prison, la détention est l'exception. On ne peut pas faire l'inverse dans un État démocratique. Donc nous avons jugé nécessaire de venir avec les juges des libertés dans 18 juridictions pays. Si par exemple, on cas d'habeas corpus, parce que normalement, ce n'est pas sous légal, c'est pas sous qui ça nous en fait. On va le juger en attendant. C'est est-ce que l'arrestation est légale ou illégale. Donc ça, nous être détention préventive prolongée, c'est un élément, c'est un obstacle dans le respect de l'homme. Eh bien, nous insérer dans 18 juridictions. L'autre bagaille nous fait tout. Gagner des règles minimales qui pour respecter l'homme fait une infraction. Ce n'est pas parce que la personne est gardée à vue ou bien elle est détenue qu'elle quitte le droit, lui suspend le monde, elle est toujours être monde. Eh bien, ça, tout nous mettait des dispositions et des balises qui pour permettre que le monde qui est en détention, qui a purgé peine, pour les purger les dans la dignité, dans le respect que le gagne comme monde. En pile, le monde dit que comité ça, moi je vous le dis, hein. Nous sommes seule femme qui là, ou nous avons une société nous très machiste. Il y a une discrimination par rapport au fait que nous choisissons comme haïtiens, haïtiennes pour nous travailler dans le projet ça. Mais il y a une discrimination spécifique parce que son femme, ça le vient faire là. Et je vous dis, hein, j'étais l'objet de toutes les menaces possibles et imaginables. Comme moi, je suis un monde qui a rien en rien parce que. Moi, je connais que ou pas qu'à construire un pays. Si c'est moun qui vient faire pour vous, c'est pays nous lié. Nous supposons mettre femme dans femme, nous, garçon dans garçon, nous, pour nous travailler, pour nous construire pays. Ce n'est pas président Jovenel Moïse, nous n'avons pas fait constitution pour lui. Dans l'année 2007, en mars 2007, c'est une initiative que l'ancien président, nous, René Préval, a fait. D'ailleurs, il a dit constitution ça, il n'est pas capable. Gouverner avec lui. Il prend l'initiative là. Nous-mêmes, ça nous fait, nous baser nous sur tout ça qui est fait. De 2007, rapport qui était produit en 2007, 18 février 2009, sa création commission présidentielle qui était le groupe de travail sur la Constitution. Nous prenons rapport déclenchement processus d'amendement de 2011 là.
Nous rencontrer 50e législature là, monde qui était dans commission spéciale sur amendement constitution 87 là. On prend le temps pour m'expliquer nous qui démarche que nous t'ai fait. Donc c'est et puis nous t'ai abouti jusqu'à 12 et 13 août avec un forum multisectoriel que Office protecteur citoyen t'ai fait sous importance pour gagner l'autre constitution. Et puis nous vinn gagner 28 octobre 2020 qui s'est mette en place constitution ça. Constitution ça a trois bagages là-dedans. Nous gagnons droits fondamentaux qui sont renforcés. Nous gagnons régime présidentiel là, donc nous pas gagnons un régime avec un premier ministre encore, qui souvent sont moyens de chantage et de blocage. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez. Donc, nous venons un régime présidentiel. Mais pour retourner, pour gommer contre toute velléité dictatoriale, nous mettons des balises en dans le régime présidentiel. Là. L'autre bagaille nous fait, nous séparer le pouvoir judiciaire, pas de fait seulement, mais de droit. Parce que nous mettons des dispositions pour permettre CSPJ capable de renforcer dans la question du domaine juridique. Là. L'autre bagaille nous fait, nous mettons balises contre la corruption. N'a pas une constitution ça, que c'est une version créole ou version française. N'a pas joué un article qui dit que tout le monde, immunité à tout. Immunité pas synonyme d'impunité. On ne peut pas avoir commis des. On a commis des infractions et puis on cherche une couverture politique. C'est préjudiciable au pays. Donc, immunité, oui. Parce que nous avons choisi députés, nous avons choisi sénateurs. Alors nous retournons avec le Sénat, parce qu'il y a une pile consultation qui est faite sous lui, mais avec des balises aussi. Parce que l'instabilité n'a fait rien que détruire un pays. Et nous connaissons sa instabilité qu'a fait. Donc nous faisons tout ce possible pour nous permettre que l'instabilité a réduit pour disparaître même, pour aller vers le développement du pays. L'autre bagaille nous fait, en dans la Constitution, hein, nous mettons à disposition ça, immunité à couvrir mon nom dans le cadre fonction, dans le mandat que le gagnant, que le peuple a bali. Si l'on fait exaction, il fait ça, il est abus de pouvoir, il fait trafic d'influence. Kounia, eh bien, la répondre de Zakléo devant un tribunal de droit commun, même gens avec moi, même gens avec vous. Personne n'est pas au-dessus des lois. Donc ça, nous mettons ni pour juge, nous mettons ni pour secrétaire d'État, nous mettons pour ministre, nous mettons pour tout le monde qui a dirigé le pays. Parce que yon fonction pas qu'à yon source d'enrichissement illicite, yon bon fonction, vous êtes au service de la population. Il faut qu'à comprendre ça et il faut qu'à rendre compte. C'est comme ça que nous sommes capables de construire la démocratie que nous tous rêvons. Je finis pour me dire que nous gagnons un conseil départemental qui était en dedans constitution 87 là que nous pas de chambre qu'a mettre en place et nous connaît il y a la décentralisation il y a la déconcentration moun yo paye taxes faut avoir accès aux services sociaux de base. C'est pas normal parce que moun nan c'est en région que lié faut l'obliger pour une moto pour une machine pour venir Port-au-Prince. Non, nous permettre que en dedans budget république là nous dit que faut gagner une répartition qui fait et les pas seulement dit le fait non nous dit que au début de chaque année fiscale faut collectivité territoriale yo joigne l'argent pour faire déconcentration ça parce que li important pour peuple. Jean nous te dit là en dedans ça nous te wet là comme document mais c'est lui même n'a pour mettre nous gagne deux copies. La promette, nous copie, s'il vous plaît, avec signature toutes ces personnes qui ont dans le comité. Nous promettre PM non, avec toutes signatures, nous connaissons. Et merci beaucoup. Maintenant, pour le secrétaire général par les nationales, pour nous capables de remettre nos copies avec signature toutes cinq membres du comité. À l'occasion de la remise du projet de la nouvelle constitution par le comité consultatif indépendant, je m'adresse à vous avec un sentiment patriotique et républicain. C'est avec émotion matin, hein, m'apprend la parole. Parce que nos cérémonies que le président Jovenel avait nous ont planifiées. Il y a de cela plus de deux mois. Doter le pays d'une nouvelle charte fondamentale
facile d'application, inclusive, claire, respectueux des droits de l'homme, de la personne, pardon, et garant de l'équilibre des trois pouvoirs de l'État, incluant la diaspora, a été l'un des chantiers prioritaires du feu président de la République, Son Excellence, M. Jovenel Moïse, assassiné lâchement en sa résidence privée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Je veux saisir l'opportunité de cette cérémonie pour dire haut et fort à toute la nation en général et à la famille et aux proches du président qu'en dépit des petites manœuvres et des attaques ciblées de certains, la vérité finira par jaillir et justice sera faite. Rien, absolument rien, aucune distraction ne pourra me déterminer de ma volonté inébranlable de voir les vrais responsables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de ce crime odieux traduit en justice et puni pour leur forfait. À bon entendeur, salut. Mesdames, Messieurs, avant sa mort, le président m'avait clairement dit à maintes reprises que dès que vous lui soumettriez votre rapport avec le projet de constitution, il me le remettra pour que je fasse tout ce qui est possible pour que le peuple haïtien s'en approprie. Il m'a demandé de m'assurer par une démarche inclusive et participative que tous les secteurs de la vie nationale s'engagent en faveur de l'adoption du texte. Et je peux vous dire que c'est que ce que j'ai l'intention de faire. L'adoption de la Constitution de 1987 est un symbole de notre adhésion aux valeurs démocratiques modernes, dont l'état de droit, l'équilibre et la séparation des pouvoirs de l'État. À l'époque, le peuple s'était mobilisé massivement pour le voter et signifiait ainsi sa volonté d'un vivre ensemble harmonieux. Après près de 35 ans de tentatives de construction d'une démocratie fonctionnelle, il est de l'avis général qu'il faut renforcer notre démocratie par l'adoption de nouveaux cadres normatifs fondamentaux. Les crises politiques multiples que nous avons connues au cours de ces dernières décennies, le handicap que cela constitue pour la bonne marche des institutions publiques sont des arguments sérieux en faveur d'une nouvelle constitution. Mesdames, Messieurs, notre pays ne saurait concrétiser ses objectifs de développement sans se disposer d'institutions fortes et stables. L'analyse des crises multiformes de nos institutions montre l'impérieuse nécessité de doter le pays de nouvelles règles fondamentales et de renforcer les mécanismes de l'État de droit. Sinon, le pays risque de sombrer dans l'instabilité politique chronique et les conflits entre les pouvoirs de l'État. Pour éviter un tel scénario, il est impératif d'œuvrer dans une logique participative et inclusive, à clarifier les compétences des pouvoirs de l'État, le rééquilibre des pouvoirs, la responsabilité des élus, le renforcement des institutions de contrôle et l'indépendance de la justice. Les crises d'origine constitutionnelle ont fortement ponctué les conditions de vie de la population ces derniers temps. Nous sommes tous témoins des prises de position et des revendications des secteurs de la vie nationale sur la nécessité d'adopter une nouvelle constitution. L'adoption d'une telle charte est essentielle pour créer les conditions d'une société plus équitable, pour protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, encourager la participation de tous les fils et les filles de la patrie aux grandes décisions du pays, notamment les femmes et la diaspora,
et établir les bases d'un gouvernement d'un gouvernement démocratique. Madame, messieurs, les membres du comité consultatif, cette cérémonie est l'aboutissement du travail que vous avez entrepris depuis la date de votre investiture. Au nom du gouvernement et de la nation, je vous remercie pour votre contribution et pour votre détermination dans la conduite de vos travaux. Et ce, en dépit des tensions politiques, des menaces, des insultes et autres agressions verbales. Je vous remercie et vous félicite d'avoir fait la preuve d'abnégation et de professionnalisme, d'impartialité dans l'accomplissement du mandat qui vous avait été confié. Mission accomplie. La nation vous en est reconnaissante. Je veux exprimer ma gratitude à l'égard de tous les experts et de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'élaboration de ce projet. Mesdames, Messieurs, notre pays a besoin aujourd'hui plus que jamais de plus d'unité, d'égalité et de plus de fraternité. La haine, la division et les conflits en tout genre constituent des freins pour notre développement. Soyons clairs, une nouvelle constitution ne sera pas la panacée pour résoudre tous nos problèmes. Mais, si nous arrivons à nous mettre d'accord sur un mode d'organisation de la gouvernance plus équilibré et plus efficace, ce sera un point de départ pour d'autres convergences autour du devenir de notre pays. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les maux économiques, sociaux, politiques, institutionnels, sécuritaires ou environnementaux de notre pays, vous les connaissez tous. Il est nécessaire et urgent que nous mettions à profit cette période intérimaire pour créer les conditions pour une nouvelle gouvernance apaisée et efficace, devant nous conduire vers un retour à un fonctionnement normal et durable de nos institutions démocratiques. Mesdames, Messieurs, nous avons un pays à reconstruire. Mettons en commun nos forces pour transcender nos antagonismes à la faveur de vivre ensemble et du développement de notre pays. J'espère que votre travail va y contribuer. Ensemble, nous pouvons préserver les valeurs démocratiques. Ensemble, nous pouvons consolider notre démocratie et l'état de droit. Ensemble, nous pouvons œuvrer à construire une nation stable et prospère. Ensemble, nous pouvons reconstruire notre pays effondré par les dissensions internes et les luttes fratricides. Vive l'unité, les filles et les fils de la patrie, vive l'union nationale. Jean Nonté dit dans le dernier communiqué nous avons mis dehors récemment, par rapport à la question de tremblement de terre, nous ne venons pas accélérer ce tirage qui vient pour faire pour attribuer le numéro à la partie politique. Mais c'était un processus qui était déjà en cours, qui est tout l'issue était déjà prêt. C'est ça que fait hier, après évaluation dans le département, même les rapports global évaluation sont beaucoup disponibles, mais nous avons trouvé que c'est nécessaire pour nous publier liste parti politique qui a agréé. Là nous dit liste parti politique qui a agréé, c'est sûr que capable de gagner de l'autre parti qui pour qu'on liste là, soit pour une raison pour l'autre parce que gagner en pile nan yo qui gagne de problèmes techniques qui déagit lui même la travaille sur yo et la contacter parti ça yo pour capable dire yo qui ça problème nan yo. Nous fait face à plusieurs gagner de parti qui gagne de l'autre monde qui vient contester, qui dit c'est lui-même qui gagne autorité pour enregistrer patient, qui n'a pas mandaté pour enregistrer patient. L'autre bagaille qui gagne, plus gros problème, c'est question monde qui paye 4
de pour pas gagne carte d'identification nationale là patient même les tout papier loqué il pas capable entrer dans système là parce que et ces numéros ni faux qui vous permettent que parti à lui-même l'y enregistrer. C'est pour ça que fait gagner de parti, c'est pas que vous prenez carnet ou bien nous rejetez, mais le fait est que vous pas de 4 ans, ça vient poser problème que vous même vous entrez dans l'ISA. Bon, comme nous sortons l'ISA aujourd'hui, d'habitude, parti politique vous connaît très bien, les noms vous pas figuré dans l'ISA, vous devez passer dans la direction opération électorale pour vérifier qui sa problème yo ye. Parce que immédiatement moun nan li vini li wè sa problème nan ye, n'a balon ti temps pour li même li capable fin compléter dossier. Bon, question représentativité parti yo, ça va dépendre de moi. Ou bien parti pi représentatif, moi même moi utiliser liste ministère la justice mette à disposition pour moi même moi enregistrer parti yo. Et parti qui inscrit yo pour moi même c'est yo qui fait déplacement, c'est yo qui gen volonté. Peut-être l'autre yo ka gen de l'autre bagay a tant qui fait yo pou ko vini ou bien yo pa vini, mais nous-mêmes nous fait ça nous gen pou faire par respect pour l'autre parti yo, m'pa ka pral di gen parti m'a tant indéfiniment parce que gros ensemble des partis tout qui gen droit choisir ou pa prêt, yo pa vini, yo pa participer comme ça tout gen droit gagner qui voulait participer. Ça certain que a gen des changements. Parce que depuis gagner des dates que nous pas kembé parce que calendrier nous toujours coincé. À chaque fois qu'un événement passé, gagner de problèmes qui posaient. Mais ça certain, si nous voulons faire élection, n'a fait élection parce que nous même au niveau conseil là nous gagne pour nous faire élection. Ça veut dire n'a fait tout ça nous connaît pour permettre que nous à jour dans ça nous même gagne pour nous faire dans calendrier parce que si tremblement de terre là il passé c'est vrai mais quand même il y a des évaluations qu'a fait si il y a évaluation qu'a fait que l'école qu'a ouvert pour qui ça pas qu'a gagner élection l'école là ti moun yo pral gagner pour passer tout un trimestre dans l'école là tandis que élection son bagay qu'a fait dans une journée ça veut dire c'est volonté et nous même au niveau conseil là n'a pas avancé jusqu'au bout pour permettre que nous même nous respecter ça nous gagner pour nous faire normalement depuis calendrier électoral là du yo nous avons ensemble des cheminements qui pour permettre que nous arrivions dans date butoir là et c'est ça que fait nous capable de dire à chaque fois qu'on problème comme ça nous obliger réajuster calendrier parce que si nous pas réajuster calendrier nous pas priver kembe date là mais quand même pour nous mêmes travail sur réajustement calendrier l'a fait directement immédiatement rapport mission yo fait toute équipe qui sous terrain yo rentré nous rive connait qui ça qui frappé qui ça pas frappé qui ça nous gagne pour améliorer et faire des propositions alternatives qui capable permettre que nous même nous rive dans date précise pas certain gagne réajustement qu'a fait pour parti politique qui veut venir parce que malgré gagne tremblement de terre mais pas gagne bio CEP a pas rasé espace temps nous te mettez à l'île là moun qui pas vini yo pas vini parce que infrastructure qui a fait inscription c'est pas dans sud yo c'est dans Port-au-Prince si moun yo pas inscrit nous pas attendre indéfiniment parce que peut-être yo même yo gagne l'autre bagaille à attendre que yo profiter temps ça y a attendre nous même n'a fait ça nous gagne pour nous faire pour moi même pour conseil électoral là li possible nous pas contre pour l'autre paramètre mais pour nous même faire élection pas impossible depuis volonté moun yo c'est pour yo aller dans élection nous gagne une bonne quantité qui frappé mais nous pas gagne chiffre exhaustif là pour ba nous mais ça c'est certain que équipe direction opération y a fait un rapport y a public soupe qui pour permettre que nous dit mais qui quantité sente nous gagne qui frappé mais qui ça nous même nous proposer comme alternative qui capable permettre que nous arriver faire élection tirage la blague fait immédiatement que parti qui pas jeune dans l'issue manifesté que yo montré que yo gain qualité par rapport à des contestations qui fait pour yo ou bien que si problème technique yo gain yo résoudre li n'a bay date là très 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 proche parce que à partir de parti qui pas joine dossier yo gain direction qui ouvri captain yo pour permettre que yo même yo vérifier qui ça fait non yo pas sorti dans liste là. Étape qui reste c'est que c'est attribuer numéro avec parti politique yo et puis bail
moun yo yon code qui permet que yo même yo ka rentrer en dans système là pour en dans système que conseil électoral a metté pour ça peut-être en plateforme parce que c'est une plateforme que moun yo déjà expérimenté déjà dans élection passée yo que yo même y a capable inscrire parti politique yo. Bon, je viens là pour montrer, je dis tout bail fait, toute porte fermée. Je vais si c'est la justice qui ferme. Je viens là pour m'assister client, le commandant de la guerre civile. Nos dossiers, ils ont taillé, mettez sous lit. Bon, maintenant, je vais dire nos bagailles que le juge d'instruction dit. Ok? Bon principe en droit qui veut que les pièces sont communes aux parties. L'homme pas est devant le juge pour la première fois. Moi, je m'en délit pour lui communiquer moi, toute pièce, généralement quelconque, qu'elle gagne, la instruit contre client, ou bien pour client. Parce que l'homme fait instruction, c'est à charge et à décharge. À mon grand étonnement, je lui ai dit qu'il n'y a aucune pièce. Il dit que seulement un réquisitoire déformé. Je ne sais pas si c'est un film comme ça. Mais depuis tout le temps, je ne sais pas si je garde lui. Mais maintenant, je décide de faire une requête là-là, sous saleté de Dieu. Parce que, comme je toujours dis, nous, client n'a pas mélangé dans le ça, mes amis, ni de près, ni de loin, même de très loin. Problème dossier, dossier Jovenel là, c'est que moun yo, comme moi toujours dis nous, qui manigance la mort, il y a une enquête. Moi, j'ai des cabinets de discussion ou enquête. Mais je suis là, non même. Le fini de me tourner me compte yo. Par exemple, je prête m'éclater sur yo. Yo fini par bon moun. Moun qui est bon moun, non, c'est pas de l'homme, non, c'est juste. Par exemple, là, ça a l'air. Bah, non, bah, Dieu, là, donne, non, comme moun yo Dieu est qu'il paye. Bah, non, on ban l'autre moun. Que, c'est, commissaire a te mettre mandat de yo. Yo. Ça veut dire que, moun se regarde, c'est moun yo faire retirer notre dossier pour ne pas entraver yo. Parce que regarde, si après moun sa yo, moun a dit mon cher, on s'est passé, tant qu'on aime de voir Dieu, je ne vais pas vous comme nous, et tel là dans tout, et tel, bon bah la crasé. Donc, la justice n'est pas une plaisanterie. La justice est une pour tous. Ni pour vous, pour moi, pour monsieur, pour tout le monde. Bon, on a dénoncé dysfonctionnement. Appareil justice là au niveau juridiction de Port-au-Prince. Parce que depuis tant que 3 ans, par exemple, on sait séance d'assises criminelles qui est organisée au niveau juridiction. Or, il y a un monde dans la prison ça, qui a plus que 10 ans. Il y a tant d'audiences criminelles pour être capable de trancher sous sol. Malheureusement, ça ne va jamais faire au niveau juridiction. Et on a constaté encore depuis plus de 3 semaines, problème d'électricité au niveau tribunal là. Fait que avocat pas qu'à travailler et détenu qui vient tribunal là pour juger, pas qu'à juger. Et nous, ouais, son bagage qui est anormal. Parce que tribunal là, c'est là avocat qui fonctionne, c'est là avocat qui travaille. Quoique depuis tantôt 3 ans, avocat est censé au chômage, mais maintenant c'est encore pire. Là, par contre, est-ce que c'est pays à nègre fermé définitivement pour repenser lui parce que lui anormal pour justice au niveau non pays pas qu'à fonctionner surtout au niveau juridiction pas au principe. Un dossier là, moi j'ai des clients m'a fait suivi pour yo au niveau cabinet d'instruction et puis pour yo t'a jugé au niveau correctionnel tout malheureusement jusqu'à date rien du tout va jamais capable marcher au niveau tribunal là. Bon, tantôt, il y a un juge qui va venir travailler, tantôt c'est blackout, tantôt c'est insécurité. Bon, c'est nous complètement paralysés au niveau juridiction. Ok, Haïti, c'est mon pape, parce que c'est plateforme haïtienne patriote qui ont plaidoirie et nous-mêmes nous supporter en plaidoirie que nous avons fait pour un accord politique inclusif. Nous gardons un paquet d'accords qui a signé Tribord et Pabo, accord Montana.
Latrier, nous-mêmes, nous regardons, nous voyons, ça y va faire apparaître, refléter, et nous sommes capables de dire, réalité, je veux dire. Nous d'accord, faut que c'est accord politique, c'est une entente qui peut mettre nous dehors, non, et Kachouboumbe nous prend là. Cependant, nous croyons, accord à doué, un accord inclusif, un accord qui est capable de refléter et réalité que nous vivons là. Les gens qui ont signé l'accord, c'est des gens qui étaient déjà en opposition, qui ont combattu Jovenel Moïse, ils n'ont pas de problème entre eux. Je dis, ce n'est pas eux encore qui peuvent signer l'accord, c'est deux et protagonistes qui doivent mettre d'accord pour joindre un accord sur des accords pour nous aller, nous capable de dire, retirer Haïti dans sa lié là. Nous, gardez tout, nous, c'est comme si c'est même ça, article 291, constitution indien, Makout Paladin et Jodia, il a dit, Jovenelisio ou encore, les partisans, les alliés de Jovenel Moïse, pas la donner. Donc, nous-mêmes nous disons que, fuck, tout le monde la donne, fuck, gagne un accord inclusif, et c'est ça, débloquer Haïti qui c'est même pap, c'est plateforme haïtien patriote, c'est ça nous mandé et c'est ça peuple haïtien mandé. Et transition que Negio a prêché là, transition que yo vle là, c'est une transition pour Negio continuer à le faire désordre, continuer à le piller et caisse l'État, même gens yo se fait là. Et transition Negio besoin là, pas qu'on ken Negio qui ka meton président qui pral capable by justice à Jovenel, qui pral capable by justice à moun qui assassiné pendant 20 dernières années ou là. Un moun qui besoin président, c'est dans l'élection pour aller. C'est pas accord qu'a mette moun président PIA, c'est élection, c'est peuple haïtien qui pral choisi à travers les élections. Yon moun qui pral by responsabilité PIA pour mener Haïti côté li doit aller pour mettre pays à sous rail développement. Et nous croyons nous-mêmes dans débloquer Haïti, c'est ça nous à continuer demander justice pour Jovenel, justice pour tout l'autre monde qui a assassiné dans pays à pour nous éviter et 59e président pays à passer même gens ou bien pire mal que Jovenel Moïse. Faut nous statuer sous une série de problèmes que nous avons vivre dans pays à là. Pas gain encore sans allier Jovenel yo, pas gain encore sans et secteur paysan, pas gain encore sans peuple haïtien. Nous dit faut tout monde la donne, faut encore refléter réalité jodi an, faut tout petit pays a présent dans ça qui gain pour al fait là et c'est ça et nous croyons dans premier trimestre dans année 2022 a faut gagner élection généralisée qui fait pour un président élu par les peuples, pour le peuple, pour le prendre par le national 7 février 2022 pour nous un président dans le pays qui est capable de poser problème pays parce que nous n'avons aucun monde là qui a une légitimité qui est capable d'engager l'État dans rien. Nous n'avons pas un gros contrat là qui a signé. Nous croyons c'est entente là, c'est accord que tout le monde a là dedans qui est capable de retirer Haïti dans sa lié.
nous connaissons d'habitude, c'est dans quelque soit revendication qu'a fait dans le pays, hein, c'est chauffeur yo, qui est toujours victime. Mais c'est ainsi, nous-mêmes, dans la PCPCS, qui c'est l'association des propriétaires et des chauffeurs de la plaine d'Icule de Sac, nous estimons que nous victimes trop. Dans quel sens? Parce que, comment on est capable d'imaginer, côté que nous gagnons un bus, nous, et bus ça, le plus souvent, c'est eux-mêmes qui servent, qui c'est principal cible des revendications qu'a fait en dedans pays, et sous quelque soit forme, non. Côté que ces bus ça, eux, prend pour faire barricade, et parfois même c'est carcasse bus ça, nous, qu'on a le prend, là, au fin de l'île. Donc, je dis là, nous-mêmes, non, pleinement, nous, non, situation, côté que, nous sentons pas capables encore. Parce que c'est bus, c'est chauffeur, c'est bus, yo, gagné, pour être capable de travailler, pour être capable de gagner pain, yo. Surtout ensemble avec l'école, là, qui va l'ouvrir, là, chauffeur, yo, pas gagné, relais, yo, pas gagné, répondre. Donc, nous-mêmes, non, pleinement, qui c'est syndicat à PCPCS, nous demandons, faut que pour l'État lui-même, faut que pour capable de jouer un modus operandi, une façon pour chauffeur nous-mêmes pour capable de travailler, pour capable de vaquer librement ensemble avec l'occupation. Parce que ces derniers temps-là, nous capables de nous victimes en pile, dans revendication en série qu'a fait en dedans pays. Donc je dis là, les n'ap gardé pour nous, quand c'était problème que nous déjà gagné déjà, parce que côté que nous y est là, qui pas approprié ensemble avec norme qui régit pour une station t'es capable de fonctionner. Donc là nous prend l'autre problème, chauffeur ou pas gagne l'autre moyen, propriétaire ou pas gagne l'autre moyen, chauffeur ou trois l'autre ou propriétaire fin faire un investissement, et puis après un an machine ça a brûlé, donc ou capable ouais, et combien de monde qui pas à l'école. Donc je dis là, nous demander une main levée de façon à ce que et pour l'État lui-même, tant qu'on peut dire tout à l'heure, pour jouer nous mode opératoire pour chauffeur nous même de capable fonctionner dans la rue. Bon, problème que nous joignons, même gens et administrateurs en Sodil bloqués chaque jour, même les pas de problème bloqué, mais par rapport à des blocus qui gagne Kafoudouya, qui gagne presque tout côté, chauffeur a fait 2-3 heures de temps pour être capable de transporter les gens qui prennent le travail. Bon, là nous bien gardé, pourquoi gagne l'école? L'école beaucoup ouvert. Est-ce que l'école là ouverte, c'est comme sa situation abritée? C'est ça que fait demander directement à l'État, je n'ai un terrain d'entente avec tout groupe qui a revendiqué pour nous-mêmes, chauffeurs et propriétaires, comment nous-mêmes nous avons évacué l'activité. Parce que nous vivons le jour. Parce que ce jour nous sortir, hein, c'est lui nous connaît. Toutefois, nous ne pas sortir, nous ne pouvons pas aucun paix quotidien pour nous. Pour nous bailler petite nous madame nous et famille nous et même monde qui c'est allié nous, si nous capable dire combien chauffeur m'pral bon menti, parce que nous presque décès en vie par jour, que n'importe 200 à 300 000 monde par jour, parce que Canada, Corail, Onaville, Jérusalem, tout Onaville et quoi des bouquets, c'est nous mêmes qui presque desservi tout monde ça au café aéroport centre ville, c'est nous mêmes qui desservi monde ça yo cap vinn travail. Et l'après-midi, c'est nous-mêmes qui pour aller chercher moun sa yo pour entrer la caillou. Nous gagne près de 200 à 250 bis qui fait circuit ça, et gagne on capable dire gagne presque 500 bis, mais par rapport des conjonctif pays, ça qui brûlé, ça écrasé, ça kidnappé, on tout ça yo entre dans l'idée de compte là. Nous capable faire un calcul, si nous gagne 150 à 200 qu'on y a cap faire circuit. Fêtons la naissance de l'allégresse du monde entier. Aujourd'hui, à partir de la nature terrestre, un ciel a été formé sur la terre. Aujourd'hui est pour le monde le commencement du salut. Révérend Père, chers paroissiens, pèlerins, autorités civiles, politiques, policières, chers et sœurs bien-aimés, bonjour et bonne fête Notre-Dame de la Caridad. Et du Fils et du
Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Pas et soit bien-aimé, bonjour et bonne fête. Bonjour, mon Père. Avec les mots de l'ange Gabriel, je vous reprends. Réjouissez-vous, cher Père Niska, ainsi que le clergé paroissial. Réjouissez-vous, cher confrère. Réjouissez-vous, cher religieux, religieuse. Parole du Seigneur. Toi, Bethléem et Frata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. Après, alléluia, alléluia. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, mettons-nous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Je veux mettre la veste mon tour. Une bonne nouvelle, Jésus-Christ, d'après Matthieu qui sait. Matthieu chapitre 1er, pendant le premier verset A pour arriver verset 23. Livré à Jésus, petit David, petit Abraham. Abraham enfanté Isaac. Isaac même enfanté Jacob. Jacob même enfanté Judas à Trélio. Judas enfanté Pharès à Zara, notamment. Pharès enfanté Esron, Esron enfanté Aram, Aram enfanté Aminadad, Aminadad enfanté Nahasson, Nahasson enfanté Salmon, Salmon enfanté Boz, soutenant Rahab, Boz enfanté Obed, soutenant Ruth, Obed enfanté Jessé, Jessé enfanté Wadavid, Roi David enfanté Salomon soutenant Sila qui était dans Madame Kiria. Salomon enfanté Roboam. Roboam enfanté Abia. Abia enfanté Asa. Asa enfanté Josaphat. Josaphat enfanté Joram. Joram enfanté Ozias. Ozias enfanté Joatam. Joatam enfanté Akaz. Akaz enfanté Ézéchias. Ézéchias enfanté Manassé. Manassé enfanté Amon. Amon enfanté Josias. Josias enfanté Jéconias. Après lui, l'exil Babylone. Après exil Babylone, Jéconias enfanté Salatiel. Salatiel enfanté Zorobabel. Zorobabel enfanté Abiud. Abiud enfanté Eliakim. Eliakim enfanté Azor. Azor enfanté Sadoc. Sadoc enfanté Akim. Akim enfanté Joseph, qui était marié avec Marie. C'est dans Marie sa même, Jésus prend naissance. Lui-même, il y aurait le Christ là. Quant à Jésus-Christ même, mais qui Jean lui était fait. Marie, maman, s'est mariée. Marie, maman, s'est mariée avec Joseph. Avant, ils étaient habiter ensemble. Ils étaient enceintes grâce à l'Esprit Saint. Joseph même, Marie, là, comme c'était un monde correct, il n'a pas voulu dénoncer, il a décidé de renvoyer en secret. Pendant qu'il a calculé sur ça, messager grand-mère l'apparaît dans le rêve, lui dit Joseph, petit David, papa recevoir Marie, madame moi. C'est que si là, qui prend naissance dans l'IA, c'est dans l'Esprit Saint qui sortit. L'a enfanté un petit garçon,
ou après le nom Jésus, parce que c'est lui-même qui a sauvé le peuple sur le péché. Tout ça arrivé pour réaliser sa grand-mère là, te dit par l'entremise prophète là. Mais vierge là a enceinte, l'a enfanté un petit garçon, et après le nom Emmanuel, ça veut dire bon Dieu avec nous. Thomas Chemio, n'a pas célébré au coquin événement la nativité de la Vierge Marie, la naissance de la Vierge Marie. L'Église fait choix d'une terminologie spécifique pour parler de la naissance de la Vierge Marie. L'Église préférait dire la nativité de la Vierge Marie. La nativité de la Vierge Marie. C'est une terminologie que l'Église l'a réservée pour trois personnages. C'est la Vierge Marie, tant qu'on Noël le matin, la nativité de la Vierge Marie. L'Église a utilisé le tout pour Jean-Baptiste. L'Église a célébré la nativité de Jean-Baptiste, ça veut dire la naissance de Jean-Baptiste. Et l'Église a réservé tout pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, la nativité du Seigneur, la nativité du Seigneur, qui s'est fait prophète, qui est capable d'exister, la nativité du Seigneur. Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est le corps. Soit avec vous et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Il vous envoie dans vos toutes grâces. Amen. Il vous donne d'aimer cette Vierge Sainte. Qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils, faites-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce.
Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et mes femmes par la guerre. Nous sommes dans cette salle pour une conférence de notre collègue Jean-Louis Victor autour du thème « La mer, source de richesse inexploitée », qui est un élément central de notre environnement. Mais aussi autour d'une personnalité haïtienne particulière, hors du commun, qui fête cette semaine ses 20 ans, pardon, ses 80 ans. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas un hasard, okay? Parce que nous avons devant nous une sommité, un citoyen haïtien qui a voué toute sa vie à l'environnement. Mais le thème de cette conférence qu'il va nous présenter à l'occasion de ses 20 ans est pour nous l'occasion de réfléchir sur le potentiel que représentent la mer et les océans en termes de ressources à exploiter pour la croissance économique, pour la génération d'emplois, mais aussi la création de revenus. Hier, il y a un forum Afrique-Caraïbes, au sommet qui rapproche l'Afrique de sa diaspora. Et dans ce sommet, ça, le président du forum, qui est toujours le président Kenyatta, monsieur fait référence à 5 défis que 2 régions, Afrique et Caraïbes, viennent pour affronter. Premier défi, monsieur mentionnait, il mentionnait le défi de s'appeler l'économie bleue. Blue economy. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire exploitation, ressources en mer, comme moteur de croissance économique, comme moteur de création de richesses, mais aussi de génération de revenus. La mer Kamaiko. Bon, pour ceux qui sont curieux de ce qu'il voulait dire par ailleurs, monsieur, 4 mètres de défi, c'est le changement climatique, évidemment, qui met en danger tout ce qui est comme acquis. Comme au défi Covid-19, problème santé mondiale, comme au défi la question de la dette, et dernier défi, c'est la question de la technologie. Mais on a prêté sur le défi numéro 1, qui c'est l'économie bleue. Monsieur a rappelé que les États de la Caraïbe, qui c'est les petits États en termes territorial, territoire physique, mais ont à leur disposition une mer immense, qui est équivalent à plus de 1,6 million de kilomètres carrés. On a parlé de l'exploiter la terre, ici de la Caraïbe, 27 000 kilomètres carrés. Nous avons une ressource abondante qui c'est la mer, nous ne pouvons pas parler de ça. Nous sommes contents pour nous partager quelques expériences que nous gagnons sur le domaine. Non? Nous sommes Lully. Lully, c'est une localité qui se situe dans la Caraïbe, délimitée par Sainte et au sud et par la mer à l'ouest et par la localité Cariès au nord et puis la route nationale numéro 1. Et c'est là où il est situé. Essentiellement, il vit de la pêche. Tout le monde vit de la pêche. Et quel que soit le monde, là, on met où elle évolue, mais elle est passée dans la pêche. Là. C'est ça que nous faisons. Alors, nous-mêmes étant que jeunes, nous
viennent trouver nécessité pour nous porter coller dans l'association ça qui gagne qui fondé 12 juillet 92 actuellement là il y a 29 ans sous terrain que la paix est frappé. Qui ça nous fait et objectif nous c'est développement et la pêche là développement pêche là il sorti et pas former et pêcher nous et pas bayo des notions pour yo connaître que la pêche là son métier même gens au cas dit maçonnerie et autres parce que pêche là il y a des notions de base pour bien faire et bien c'est ça dans l'optique ça d'une fait nous joindre avec l'université Kiskeya qui te gagne des objectifs pareil pour nous te former dans l'école sur métier de la mer et nous quoi nous gagne plus de 3 ans depuis n'a travaillé ensemble. Nous presque gagné nous gagné deux festivals de pêche que nous fait déjà et en bas jodi an nous là sous et dans la conférence de débat qui dit que et terminant qui dit que la mer source de richesse inexploitable et bien expérience nous à travers la mer et c'est exactement une richesse que en pile dans nous ignorer. Et si tous les dirigeants nous n'ont pas fait cas de la pêche là, n'ont pas fait cas de pêcheurs, yo. Pêcheurs yo vivent toujours comme on pêche que tu fais dans le temps arrière dans cette nuit, on pêche sédimentaire, pas grand rien qui évolue. C'est toujours bois fouillé, c'est toujours rame, c'est toujours nas qui tressé, c'est toujours filet qui n'est pas adéquat, c'est à la main que yo. Et manio c'est toujours saine, c'est toujours pêche ça. Et qui côté on fait pêche ça? Pêche ça on fait yo au niveau côte là ou ca aller de 3 à 4 km, yo pas ca aller loin parce que c'est sous deux mains yo. Rare là-dedans yo qui gagne quelques moteurs de goudi, moteur marine qui de goudi. Rare là-dedans yo et ça vient fait que la mer pas exploité. Et pêche nous ta dû faire yo, nous pas faire yo. Et poisson que nous avons dû quimber, nous n'avons pas quimber. Et de nos jours, nous venons même, nous pas même des produits, poisson, pour et demande locale. C'est-à-dire dans l'environnement et près nous, nous pas même bien. Parce que depuis le temps passé, nous pas qu'à calculer combien d'années déjà, ce même pêche-là qui a profité, il pas même quitté poisson à reproduire, et ça que nous prenons, il va même à reproduire. Et nous gagnons environnement qui bat nous, un tas de choses qui bat nous, nous ne pas gagner et production encore. Bon, majorité de monde, la mer, ils considèrent seulement pour la pêche. Mais la mer gagne l'autre. Et bagaille que les cafés, que les capotés pour payer, ce n'est pas seulement la pêche. Donc, à travers la mer, nous avons développé l'écotourisme. Nous avons parlé de l'importance que la mer dans la communication parce que c'est à travers les mers que vous passez des câbles pour relier soit des fibres optiques que je ne suis pas vraiment technicien dans le domaine. Non. So, la mer a en pile importance et bah, c'est que c'est vraiment important pour jeunes gens de conférence à l'université. C'est une chance pour gagner un monde qui gagne tout le temps ça de carrière, qui pas seulement agronome, qui fait faculté de droit et qui fait beaucoup d'expérience, qui vient essayer d'éclaircir d'esprit sur plusieurs bagailles que l'on connaît, que l'on traverse déjà. C'est un grand honneur pour moi. Moi, profiter tout pour moi dire bon anniversaire. Jeudi, nous avons un événement qui gagne une conférence là-dedans vraiment, mais c'est sous la mer, sous richesse qui gagne dans la mer que nous pas exploiter. Donc, question, c'est pour qui ça nous pas exploiter? Et ça pour nous faire pour nous exploiter. Pendant que tout le monde veut décourager dans le pays, côté que kidnapping a valé terrain, côté que l'insécurité a fait battre le mandat, côté que la pauvreté tout finalement, non? Eh bien, c'est faut grand pile courage pour parler de l'autre bagaille. Donc dans le cadre de ça, nous choisissons de parler de l'avenir, parler de l'espoir pour Timounio. Et là, ça m'a demandé pour nous exploiter la richesse que nous gagnons. Donc, job universitaire, c'est montrer comment justement pour exploiter la richesse. Et c'est dans le cadre de ça, matin, la conférence a fait. Et nous avons un monde qui va parler de ça avec M. Pêcheur, une délégation Pêcheur qui est là, tout, qui a vu un problème.
qui a vu une compréhension de questions ça et qui gens eux-mêmes yo cap en dans association nationale des pêcheurs en dans association des pêcheurs de Lully qui gens tout le monde qui met ensemble pour nous faire face à défi ça. Nous dit gain longtemps gain programme pêche qui a fait en dans pays. Maintenant l'orga des résultats yo, résultats pas en ville. Et si vous cherchez à analyser ça qui a fait yo, ou est que pêche haïtien c'est notre petit corallin qui est conservé. Il est venu, il a balé un autre petit corallin qui n'est pas fait en bois, mais qui fait en, on y a les fiberglass, en fibre de verre. Il a balé un petit moteur qui n'est pas de gain. Mais bagaille ça, il n'est pas capable de révolutionner la pêche dans le pays. Bagaille ça, c'est la pauvreté que y a kembe. Nous ne pas dire pas important, non. Nous ne pas dire pas utile, non. Nous disons seulement, bagaille ça, lorsqu'une population qui prend 12 millions de monde qui peut aller, lorsqu'un besoin de manger, lorsqu'une sécurité alimentaire population pour défendre, à ce moment-là, il faut gagner l'autre moyen pour aller plus loin dans la mer, parce que nous finissons exploiter bon la mer net avec petit bateau ça. Donc, il n'y a pas qu'à aller plus loin. Et comme il n'y a pas qu'à aller plus loin, donc, vous venez gagner plus petit pêcheurs sur le littoral là, bon la mer, et moins poissons bon la mer. Donc, il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut que c'est un bateau qui est spécialisé pour ça. Il faut aller avec un bateau qui construit pour ça. Et ça m'a demandé pour une formation pêcheur. Ça m'a demandé pour une mécanisation, pour un atelier. Ça m'a demandé pour un formateur. Et ça prend tout un système si nous voulons rentrer dans la pêche semi-industrielle. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, attendez. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.